Même pas la peine d'en vous reconnaître, les gens de province, vous êtes trop mignons. Il y a de l'innocence dans votre visage. Quand vous arrivez à Paris, vous posez des questions très connes. Oui, bienvenue à Paris, question toute bête, est-ce qu'on peut caresser les pigeons? Non, oh, dommage. Mais ils sont tellement dociles. Mais toute fois, j'excite. Les gens de province sont les reconnus dans Paris parce que c'est les seuls qui répondent aux sondages dans la rue. C'est Yagé qui fait bonjour, on a 2 minutes pour un sondage. Je fais oui, bien sûr. Même lui, il est surpris. Il fait oh, sérieux? Reste là, bah, je pars pas. Tu viens d'où? De Dijon. Ha ha, t'es con! Les gens de province avaient kiffé Paris, c'est une ville unique. Vous confirmez les Parisiens que Paris, c'est une ville unique? Ouais! Paris, c'est quand même la seule ville au monde où, par exemple, c'est le matin, t'es dans le métro. Là, il y a un mec qui se jette sur la rame pour se suicider. Et au moment où il se suicide, t'as tout le quai qui fait oh putain! Et voilà, 15 minutes dans la gueule! Putain, mais il fait quelque chose! Cette personne, c'est un Roumain. Il y a des Roumains dans la salle? Non, parce qu'ils aiment pas, bref! Je suis très content d'être là ce soir au Grand Rex. C'est la première fois que je suis venu ici, je suis venu voir un film, je suis venu voir un disco, et ils font du boss, c'est pas une vanne. Mais il faut soutenir le cinéma français. Moi, j'ai la chance d'avoir tourné mon premier film il n'y a pas très longtemps. Et il y a des beaux projets qui vont arriver dans le cinéma. Par exemple, ils vont faire un film sur l'affaire de Dominique Strauss-Kahn au Sofitel à New York. Je vous jure que c'est vrai, le casting est arrêté. Dominique Strauss-Kahn sera joué par Gérard Depardieu. Ouais. Isabelle Adjani jouera le rôle d'Anne Sinclair. Et pour le rôle de Lafissa Diallo, ils ont pensé à Omar Sy, ce qui est plutôt cool. Oh, merci, quand même, c'est une figure, hein, maintenant, sans déconner. Qui n'a pas vu Intouchable par applaudissement? Ah, la honte! T'as pas vu Intouchable? Nous, ça y est, maintenant, toute la salle, on aime les handicapés, maintenant, ça y est. Quand on cherche des places sur le parking pendant 1 heure, on a, putain, y'a pas de place, et ta copine fait, là, y'a une brèche, t'arrêtes, tu fais, ah, merde, et tu vois que c'est une place handicapée, on l'a tous dit, hein. Ne faites pas genre, on était tout seul. Putain, comme si les handicapés avaient des bagnoles, quoi. Maintenant, on voit ça, on s'en fout, on est tellement sympa, François Cluzet. Pas de bras, pas de chocolat. Tu peux pas rigoler parce que t'as pas vu le film.